Vous la sentez cette odeur? Mais ça ne serait pas la rentrée? Et oui, on est en plein mois d'août et le retour à l'école arrive bientôt. Vous êtes contents, hein? Allez, je vous donne un petit secret. Pour chaque pouce bleu sous cette vidéo, le ministre de l'Éducation nationale vous donnera une seconde de vacances supplémentaires. Si vous y mettez à beaucoup, il y a moyen de carrément finir l'année en mars. Et si, si, hein, je vous jure qu'il me l'a dit. Il m'a carrément envoyé un MP sur Discord pour ça, tout en me disant que vous auriez un point supplémentaire sur votre moyenne si vous êtes abonné à la chaîne. C'est franchement sympa. Donc oui, bientôt fini de comater sur le canapé. Et surtout, vous allez peut-être enfin pouvoir passer une année en présentiel, faut croiser les doigts. Va donc falloir dire adieu au PC fixe de 15 kg. Aujourd'hui, je vais vous donner plein de conseils pour bien choisir votre PC portable pour la rentrée 2021, en vous conseillant quelques modèles, mais surtout en vous disant quoi regarder en priorité. Comme ça, même si vous avez déjà une idée en tête ou même déjà un ordinateur, grâce à cette vidéo, vous saurez quoi acheter la prochaine fois pour ne rien regretter. Salut, c'est Léo, la chaîne Techmaker, et aujourd'hui, en partenariat avec Le Dénicheur, on va regarder quel est le meilleur PC portable pour l'école. Et spoiler alerte, bah y en a pas en fait. Car si vous êtes en 5ème année d'école, dans un endroit où vous faites masse de modélisation 3D, ou si vous êtes en première année de fac de lettres, vos besoins ne seront pas du tout les mêmes. Par contre, il y a des choses qui sont obligatoires pour tous. Et on va donc aller du plus ou moins important et on commence avec... le poids. Pour moi, la vraie première chose la plus importante quand vous avez un PC portable pour les cours, il faut que ce dernier soit le plus optimisé possible à ce niveau-là. Il faut vous dire que ce PC, vous allez vous le trimballer de salle en salle toute la journée, en plus de l'avoir sur le dos pendant tout votre trajet de chez vous jusqu'à votre lieu d'étude. Et donc avoir un PC pesant 6 kg avec un bloc chargeur pesant le double de votre smartphone, ça fait peu plaisir. Faut vraiment se dire que c'est une bécane que vous allez emporter partout, et ça, beaucoup de gens le négligent. Il y a moyen d'avoir des machines pesant à peine plus d'un kilo aujourd'hui, et vraiment, faut pas hésiter à se plonger là-dedans, votre dos vous dira déjà merci. Alors évidemment, plus on va vouloir léger et plus on va devoir faire de compromis, mais pour autant, vous allez voir que ce n'est pas forcément les plus lourds qui seront les meilleurs dans d'autres domaines comme la batterie. Le second point le plus important, dans PC portable, il y a portable. Non, ne me remerciez pas. Et donc ce dernier doit rester utilisable n'importe où sans devoir être absolument à 2 mètres d'une prise de courant. En général, la batterie de votre engin va se vider en fonction du reste des composants, mais pas que. Il y a aussi la taille du PC qui va jouer quand on pourra avoir une plus grosse batterie dans des plus gros modèles, mais le système d'exploitation va aussi affecter tout ça. Les plus grands ont donc en général plus de batterie, mais est-ce réellement le meilleur choix? Eh bien voyons ça avec... la dalle. Premier vrai composant ici, la dalle de votre PC portable va vous demander de réfléchir sur deux choses, le type de dalle et sa taille. Pour ce qui est du type, on va déjà avoir en général du choix entre du IPS, TN ou VA. Sans rentrer dans les détails, quand on avait déjà fait une autre vidéo que je vous mets en fiche juste en haut à droite, cela va changer les contrastes, les couleurs et aussi évidemment le prix. Une dalle TN coûtera moins cher, une autre VA sera plus axée contraste et IPS les couleurs. Alors oui, ça va aussi jouer sur les millisecondes de temps de réponse. Mais vous avez oublié c'est quoi la raison de l'achat de votre PC? Je sais bien que c'est souvent une excuse pour pouvoir vous acheter une machine pour jouer à Fortnite, mais un peu de sérieux. Alors oui, on aura aussi de l'OLED ou du micro-LED, mais bon, honnêtement, on va être sur des tarifs bien plus élevés, donc pas vraiment comparables. Pour ce qui est de la taille, on aura principalement du 13, 15 ou 17 pouces. Pour avoir testé les 3 pendant de très longues années, je pense que cela va dépendre de votre utilisation. Aujourd'hui, je suis sur du 13 pouces et ça me convient parfaitement pour faire de la bureautique et même du montage vidéo, même si je pense que du 15 pouces peut être intéressant si vous avez besoin de faire un peu de multitâche et donc d'avoir plusieurs fenêtres en même temps, par exemple en programmation. Pour ce qui est du 17 pouces, c'est vrai que c'est un confort supplémentaire, mais ça implique forcément un ordinateur légèrement plus encombrant. À chacun de faire ses choix donc. Et si vous avez réellement besoin de plus d'espace de travail, bah vous pouvez juste brancher un écran à côté et là à vous les joies de profiter de toutes les tailles que vous voulez. Évidemment, c'est pas aussi pratique, mais en général, si vous avez un réel besoin de plusieurs écrans à un instant T, vous n'êtes pas là à avoir besoin de portabilité pour ce fameux instant T. Ah et oui, il y a aussi la question de la résolution, mais bon, de nos jours, il est presque impossible de voir des PC qui sont en dessous de Full HD, soit du 1920x1080 sur un ratio 16:9, donc ça devrait aller. Vous devriez pas trop vous en faire. Et ne soyez pas là absolument vouloir viser de la 4K. Sur des tailles d'écran pareilles, il y aura vraiment pas d'intérêt pour la grande majorité des cas. Allez, on passe à la suite avec le stockage. Et c'est ici qu'on verra que la vie est bien faite et se coordonne avec les points précédents, car en général, le très bon stockage est beaucoup plus petit que le stockage moins bon, il consomme moins et il pèse moins. En effet, vous avez trois choix, du gros disque dur qui va taper un peu plus dans la batterie qui sera plus lourd et lent, du SSD SATA, le classique qui est déjà plus sympa et beaucoup plus rapide que le HDD, et le SSD NVMe, la petite barrette qui ressemble à de la mémoire vive qui va encore plus vite, qui consomme toujours moins que le disque dur qui pèse trois fois rien mais qui coûte encore plus cher, évidemment, hein, on peut pas tout avoir gratuitement. Ici, si vous avez de l'argent de manière
serre illimité, il n'y a absolument aucune raison d'aller sur autre chose que du NVMe. Ça va rendre votre expérience bien plus fluide, avoir des démarrages d'OS presque instantanées et surtout vous permettra de ne plus être là à attendre 10 ans lorsque vous lancez un programme ou quand vous fouillez dans vos fichiers. Sinon le SSD classique fera le taf, mais vraiment fuyez les disques durs comme la peste pour un PC portable. En plus avec tous les mouvements que vous ferez avec ce dernier, il sera bien plus vulnérable à la casse étant donné que c'est mécanique ici contrairement aux deux autres. C'est l'un des composants qui peut le plus vite rendre votre ordinateur désagréable à utiliser, en particulier les disques durs de mauvaise qualité qui vont transformer la moindre tâche en une plaie. Et oui, ok, j'ai un passif donc je supporte pas les PC lents, mais je pense que beaucoup de gens qui n'ont pas connu ça ne se rendent pas compte du gain de confort et en productivité apporté par un PC qui fait ce qu'on lui dit quand on lui dit. D'ailleurs, en parlant de mémoire rapide, on avance avec la mémoire vive. Et oui, bien avant le processeur et la carte graphique dans l'ordre de priorité, la mémoire vive, ou RAM pour les intimes, va être tout le temps utilisée sur votre ordinateur, notamment sur le web si vous ouvrez des onglets dans tous les sens avec des navigateurs comme Chrome qui en raffole. Ici, il y a deux choses à voir, la capacité et la fréquence, et vous allez très vite mettre le second point de côté, hein, et surtout vous intéresser à la capacité. Déjà car encore une fois, des hautes fréquences vont être plus intéressantes sur des travaux très lourds ou du gaming, et c'est de l'optimisation qu'on voit en général en dernier, mais aussi car vous allez le voir, beaucoup de PC portables ne vous offriront que la possibilité d'avoir du Intel en processeur, qui de son côté profite bien moins d'augmentation de fréquence que du Ryzen, donc vraiment regardez deux choses, déjà la capacité de base du PC, essayez de viser du 16 Go et du 8 au grand minimum, et surtout essayez de savoir si vous aurez la possibilité de rajouter vous-même une barrette de mémoire vive par la suite. En effet, ça peut souvent redonner une seconde vie à un PC qui commence à traîner des pieds. On ne peut pas changer grand chose dans un ordinateur portable, mais le stockage et la mémoire vive sont souvent modulables, alors autant en profiter. Le processeur. Le cerveau de l'ordinateur. Ici, je vous dirais que ça va vraiment dépendre encore une fois de votre budget certes, mais aussi de votre utilisation. En effet, il existe plusieurs familles, i3, i5, i7 et i9 chez Intel, et la même avec des R à la place des i chez Ryzen. Alors j'ai fait une vidéo il y a très longtemps sur la différence entre tout ça, la deuxième vidéo de ma chaîne avec un son horrible et une coupe approximative, mais ici aussi, je vais vous faire un petit topo. Plus vous allez monter dans le chiffre, plus vous allez avoir deux cœurs de calcul sur votre processeur, et plus il y en a, mieux ce sera pour du multitâche. Pour la très grande majorité des cas, du i5 ou du R5 est suffisant, voire même du i3 ou du R3 si c'est juste pour taper sur board et faire de la recherche web. Là où ça peut être intéressant de regarder par contre, c'est au niveau de la fréquence de ces 10 processeurs, ce qui peut faire gagner quelques performances. Actuellement, je trouve que c'est plus intéressant d'aller côté Ryzen, puisqu'ils essaient de pénétrer le marché du PC portable dominé par Intel, et donc il y a souvent un rapport prix-performance très intéressant sur les PC équipés d'un Ryzen en tant que processeur. Faut juste fouiller un peu, parce que bah il y en a pas beaucoup. Et donc oui, il reste un seul composant à voir, et je sais que pas mal d'entre vous sont étonnés, mais elle arrive bien dernière, je parle évidemment de la carte graphique. Et oui, en tout dernier, on n'en a pas besoin pour toutes les formations, cette dernière va bouffer de la batterie, donc va aussi impacter négativement l'un des points les plus importants. Et en plus, bah ça coûte cher, vraiment ne prenez une carte graphique que si vous en avez réellement besoin. Vous avez déjà un processeur graphique intégré à votre processeur, alors oui, ça ne vaudra jamais une RTX 3080. Mais encore une fois, cet ordinateur n'a a priori pas pour vocation à jouer. Néanmoins, même sans ça, il y a des cas où vous pouvez vraiment en avoir besoin, si vous faites de la 3D par exemple, ou si vous travaillez sur des moteurs de jeux vidéo. Mais vraiment, réfléchissez à deux fois avant de vouloir absolument prendre une carte graphique dans votre bécane. Je vois beaucoup de gens faire ce choix sans réelle raison valable, et avoir une carte graphique ça va plomber la batterie, ça va alourdir la bécane et faire gonfler drastiquement le prix. Bref, les trois points les plus importants vont être lourdement impactés, donc vraiment réfléchissez-y. Niveau constructeur, vous n'aurez pas grand choix ici, hein. Soit du Nvidia, soit du AMD. Là ça va dépendre de si vous avez besoin de technologies particulières, hein, ce choix là, comme CUDA côté Nvidia si vous faites du montage vidéo lourd, mais voilà, gâchez pas votre argent pour rien, surtout si derrière il n'y a qu'un impact négatif pour votre utilisation. Alors évidemment, tout ça est assez personnel, hein. Si ça se trouve, vous m'avez déjà insulté dans les commentaires. Et bon, même si c'est pas très sympa de le faire, hein, en soi, je pense vous donner quand même de superbes conseils ici. J'ai été étudiant assez longtemps, hein, vu que j'ai un bac plus 5, donc j'ai pu m'en trimballer des PC, et je suis même actuellement prof à côté des vidéos. Je vois ceux qui apprécient leur paycan et ceux qui sont à deux doigts de la jeter par la fenêtre. Donc vraiment, je pense être assez objectif. Mais du coup, histoire de vous guider quand même un petit peu, je vais vous donner quelques idées de bécanes sur lesquelles partir par rapport à tout ce que j'ai dit. D'ailleurs, avant ça, premier truc à toujours faire pour pouvoir payer le meilleur prix de son ordinateur, bah c'est de comparer les prix des différents sites marchands. Alors oui, la vidéo est sponsorisée par le dénicheur, donc évidemment ça m'arrange de le dire, mais vraiment vous pouvez économiser un sacré paquet d'argent en regardant tout ça, vu que sur certains modèles de PC, les prix vont dans tous les sens. Pour ceux qui ne connaissent pas, le dénicheur est un site qui permet de voir le prix de tout ce que vous voulez sur plusieurs sites marchands en même temps et donc de les comparer pour trouver la meilleure offre. En plus de ça, vous avez un historique de prix pour savoir si le PC que vous convoitez est actuellement en solde ou plus cher que d'habitude à cause des mineurs de crypto-monnaie. Il y a aussi la possibilité de créer
créer une alerte et donc d'être prévenu dès que l'article en question atteint le prix de vos rêves. Et quand on achète un PC pour ses études, on n'est en général pas Crésus, et ça fait toujours plaisir d'économiser quelques pépettes pour mettre du parmesan sur les coquillettes. Et donc si je devais vous dire sur quel modèle mettre des alertes, eh bien ce serait ceci. En vraiment pas cher du tout, je partirais sur l'iPad. Alors oui, c'est pas un PC, mais presque. Avec les mises à jour récentes d'iPadOS, on est de plus en plus sur une ergonomie proche d'un ordinateur. Et finalement, ce dernier répond à plein de points qu'on a pu énumérer plus tôt. Le poids est plutôt léger car on a vraiment quelque chose de pensé pour être une tablette, la batterie est excellente au vu de comment l'OS est optimisé et la taille est assez modulable avec tous les modèles disponibles. On peut réussir à trouver les premiers modèles à partir de 389€. Alors oui, on est sur du 10,2 pouces ici, donc encore une fois on se dirige vers des gens qui ont juste besoin d'un support pour prendre des notes et faire des recherches sur internet. Mais à ces tarifs là, je trouve que c'est bien plus intéressant à prendre ce genre d'appareil car côté PC à 400€ on n'aura que des catastrophes absolues. En plus en général, les prix sont encore plus bas en tant qu'étudiant vu qu'une remise est appliquée entre 5 et 10% et ils vous offrent même des AirPods de temps à autre. Donc bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment meilleur deal. Faudra quand même rajouter le prix d'une protection avec clavier, la meilleure étant pour moi la Logitech Slim Folio à 100€. Mais au pire, vous vendez les AirPods qu'ils vous donnent et ça fera l'affaire pour l'acheter. Vous aurez un vrai petit PC portable super pratique avec écran tactile en prime et extrêmement léger. Et au moins, lui ne devrait pas ramer comme le vieux PC acheté 400 balles qui se traînera un disque dur 5400 tours en prime. Et que vous devrez remplacer un an plus tard car c'est une belle bouse. Et bon, bah côté tablette Android, n'en parlons pas non plus à ce prix là, surtout qu'on n'a pas autant d'ergonomie qu'iPadOS. Si on commence à monter de prix, dans les 700€, je pourrais aussi vous proposer l'iPad Air qui se trouve là-dedans et qui a tous les avantages dont on a parlé un peu avant et a un peu plus de puissance ainsi qu'un écran 11 pouces. Mais le problème est qu'on reste sur un système d'exploitation tablette et donc bah tant qu'on veut faire juste des trucs simples, ça va. Voire même de l'illustration du coup avec l'iPad Air vu qu'on a les logiciels et la puissance pour ça, ce qui peut être intéressant même s'il faudrait se fournir d'un pencil à 150 balles dans certains cas. Mais il y a d'autres modèles plus classiques qui peuvent être tout aussi sympas et qui sont de réels ordinateurs. Je partirai donc pourquoi pas sur un Vivobook Flip 14, histoire d'avoir un écran de 14 pouces comme son nom l'indique avec un système Windows, avec 8Go de RAM et un Ryzen 3 4300U pour 660€. L'écran étant plus tactile, on peut aussi l'utiliser comme une sorte de giga tablette vu qu'on peut le plier dans tous les sens, ce qui peut être bah, toujours sympa par rapport à la situation. Ensuite à 1000€, je dirais fini les tablettes quand même, on rentre dans la cour des grands. Plus d'Apple ici, les tablettes à ce prix là étant déjà trop overkill à mon sens, et que les MacBooks seront près de 200€ plus élevés que cette gamme là. Si on veut un truc plus axé bureautique, je pense que le Huawei MateBook D16 R5 peut être sympa, surtout qu'on est à 900€ là dessus, voire parfois 800 à certains moments. À ce prix là, on a un processeur Ryzen 5 4600H, 16Go de RAM, un SSD de 512Go et un poids total de 1,74kg. Tout ça sur du 16 pouces, donc on rentre vraiment dans tous les critères. Il y a même un petit emplacement M2 pour ajouter un SSD NVMe par la suite. Sinon, s'il vous faut absolument une carte graphique, le ROG Strix G15 peut faire le taf. À 950€ actuellement, on a une GTX 1650 Ti avec un i5 10300H et 16Go de RAM. Avec en prime un écran 144Hz, mais encore une fois, soyez sûr d'en avoir besoin de cette carte graphique et aussi de cet écran. Et vraiment, pour les gros brousouf qui sont prêts à mettre 1500 balles, là il y a pas mal de choix et c'est facile de s'y perdre. On peut redire bonjour à Apple, hein, du coup avec son MacBook Pro M1. C'est le vrai roi de l'autonomie ici, avec des tests montrant qu'il peut tenir plus de 20 heures en lecture vidéo. Alors imaginez à quel point ça peut être la folie en faisant des choses moins gourmandes. C'est même actuellement le PC portable que j'utilise personnellement et vraiment j'ai l'impression de ne jamais avoir besoin de le brancher. Vu qu'il a un stockage super rapide et un poids assez léger, bah, il répond à tout ce qu'il faut. Quelques nuances hein, quand même, il n'y a pas de carte graphique donc exit tous les travaux un peu lourds et on est sur un processeur qui n'est ni Intel ni Ryzen mais Apple et surtout une architecture complètement différente donc incompatible avec les programmes qui n'ont pas été développés pour. Donc faut vraiment être certain de ce qu'on veut y faire tourner et si c'est surtout compatible et surtout on perd un peu le côté portable quand on va devoir sans cesse se trimballer un adaptateur vu que c'est débilos se mettre deux ports USB-C et rien d'autre. Donc va pas falloir oublier le dongle sinon la clé USB qui tombe dans la classe pour récupérer le projet bah vous pourrez juste vous la brancher dans le fion. D'ailleurs j'ai pas trop parlé des Air qui peuvent être sympas aussi et moins chers mais perso je suis pas fan du fait qu'il y ait que du refroidissement passif et aussi le fait que les modèles les moins chers n'ont pas exactement la même puce. Par contre il sera possible de prendre la version 16Go de RAM pour un peu moins cher que la version 8Go de RAM sur le Pro. Donc là pour le coup c'est vraiment à voir niveau préférence. Côté PC plus classique en fouillant sur le dénicheur, pourquoi pas partir sur le Asus ROG Zephyrus 14 pouces qui se trouve à 1400€ et qui propose une GTX 1660 Ti aussi mais aussi un Ryzen 9 4900HS qui est un vrai monstre qui vous suivra assez longtemps. Il n'y a que 16Go de RAM et un SSD de 512Go mais les deux peuvent aussi évoluer donc pourquoi pas mettre les 100€ qui restent dans une barrette en plus. Sinon encore un Asus ici pour un ordinateur sans carte graphique avec le ZenBook Flip 13 qui vous propose à 1500€ un i7 1165G7, un mode tablette et avec un poids de seulement 0,3 kg et surtout un écran OLED ce qui est sacrément appréciable si vous avez vos yeux H24 dessus. Alors oui un niveau PC il n'y a que du Asus mais au moment où sort cette vidéo bah c'est presque que les seuls à faire des promos sympas sur leur modèle donc possiblement les autres vont suivre avec l'arrivée de la rentrée. Je vous laisse vérifier tout ça avec le comparateur de prix. Au dessus de ces tarifs je pense qu'il n'y a pas forcément grand chose d'utile pour vous ou alors vous êtes dans un domaine giga spécifique. Genre pour encore parler d'Asus bah on peut
peut prendre le ZenBook Pro Duo, hein, tant qu'on y est. Dedans, on a une RTX 3070 dantesque, deux écrans dont un OLED, ce qui peut être super pratique, voire nécessaire par rapport à ce que vous faites, les tout derniers processeurs de chez Intel ou encore 32 Go de RAM. Mais on est sur un tarif de 3 200 €. Alors autant j'adore ce PC portable, je le trouve incroyable niveau innovation, autant le recommander à des étudiants, bah c'est juste pas du tout pour vous quoi. Ou encore une fois, ça peut si vous avez un réel besoin spécifique. Mais le but de cette vidéo est de donner le plus d'exemples possible pour la plus grande majorité des gens. Tout le monde ne bosse pas chez Pixar. Encore une fois, je vous donne des modèles pour vous donner des modèles. Hein. Ne prenez pas cette liste trop à cœur car elle est là pour vous donner des idées. Cela va encore une fois dépendre de vos études, de votre niveau, de vos envies et évidemment de votre budget. Donc évidemment, comparez les prix avec le dénicheur pour avoir le mieux possible avec ce que vous pouvez dépenser. D'ailleurs, vous trouverez les liens vers le comparateur de tout ce dont j'ai pu parler dans cette vidéo. Donc les prix ont possiblement un peu changé. Il y a aussi la question de l'OS qui rentre en jeu évidemment, si on aime macOS, Windows ou autre. Par exemple ici, j'ai jamais proposé de Chromebook car je trouve que c'est l'horreur absolue. Mais si ça se trouve, bah, vous kiffez de votre côté. Là j'aurais rien de spécial à vous conseiller, hein, c'est de la pure subjectivité, j'ai pas non plus évoqué à côté l'occasion, hein. Là c'est aussi un petit peu au bonheur la chance. Bref, voilà en tout cas ce que je vous conseillerais si vous souhaitez vous prendre un nouveau PC pour cette fabuleuse rentrée d'école vraiment prévue pour l'école. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec moi ou est-ce que vous changerez quelque chose dans l'ordre de priorité? Eh bien dites-moi tout ça en commentaire de cette vidéo, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir des retours de tout le monde. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé pour le choix de votre nouvelle bécane. Si c'est le cas, vous pouvez me remercier avec le petit pouce bleu de l'amour qui se trouve en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager à tous vos potes qui cherchent un PC pour la rentrée pour leur rappeler aussi que c'est bientôt la rentrée, hein, ça fait toujours pas de mal. Et bien sûr, le plus important, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître en haut à droite de votre écran. C'était Léo, la chaîne TechMaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut !